Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à mon cette fois, comme dans la précédente vidéo, on va essayer de réussir à une partie, mais avec deux imposteurs, ça on a jamais fait. Non, trois imposteurs, on n'a jamais fait. Et hier, figure-toi que j'ai aidé à faire les pizzas. Là, c'est le gars en bleu, c'est moi. Merci. Rien. Là, tu vas pas dire ça mal au dos. Range les pains. J'avoue, hier, là, je faisais courser par Béane. Hier, je faisais courser par Béane. Normalement, j'ai joué un jeu. Hier, c'était les policiers. Il y a quelqu'un qui s'appelle Knight dans la game. Il y avait Béane. Il était en slip. Il a commencé à courser Ryan. Béane, t'es sûr qu'il était en slip? Non. Déjà, il était en flic. Il était en sneak? En flic! En quoi? Vas-y, finis de mâcher d'abord, Policier. Ah! Il était en policier. Vas-y, finis de mâcher, Juan, avant de parler. Mais toi, Béane, il était en flic. Et Ryan, il est tout petit. Il a fait la classe opérée au soir. Il y en a un qui va prendre le pack du jus, là, il ramène dans ta gibu. C'est bon, les gars. La partie va commencer dans 3, 2, 1. Bon, de Connois! Regardez, Erwan, tu dis ça. Ah, Erwan! Mon Dieu, il y a déjà deux gars qui sont morts. Non, je suis pas mort. Je vois pas que là, je t'avais surveillé. Mon père. Vote vert. Vote pour le orange. Ah ouais. Ah mon gars. Si j'ai envie, je peux tout le monde, voilà. Ça veut dire on joue ensemble à un jeu, je sais pas moi. Papa, à mon bus, tu laisses. C'est vrai, Among Us, c'est pas tournoi. En plus, tu peux jouer à Among Us. C'est des katanas. Il y a même des. Erwan, t'as vu là, j'ai le bandeau Naruto. Je suis Naruto Uzumaki. Ça va, j'ai vu. T'as le bandeau. T'as connu. Voilà, ce jeune soldat dit voilà, finalement, très rapidement, bah dis-toi, t'es en train de partir en. Bonjour Naruto Uzumaki, moi je ne suis pas imposteur. Sinon, ça se serait que je serais imposteur. Parmi ces gens, on joue auquel? Parmi ceux-là. Parmi ça, ça te dit on joue à des belles gens, on se fait un petit combat. Ou Bounty Rush. Bounty Rush aussi, on peut se faire des combats entre amis. Mon Dieu, 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 c'est la merde. Il est dans l'oreille. Et Flight, on peut jouer ensemble pour augmenter nos niveaux, nos quêtes, tout ça. T'as vu là, le gars, il avait fait comme dans. Il s'est passé quoi là? C'est quoi ça? Ah mais non, mais ça c'est dans le jeu, parce que là, quelqu'un m'a tué. Moi je m'appelle GG, je m'appelle GG moi, vote pas pour moi. T'es sûr? Genre là, le gars il l'a fait comme Sophie. Regarde, t'as des combats entre amis. T'as les alliances et tout dans One Piece. T'as les alliances et les combats entre amis. Vas-y, vote pour le way. J'ai poussé les combats entre amis. Et t'as chance aussi au début. Peu importe qui tu prends. Regarde. T'as un chance au début, peu importe ce que tu fais, t'as un chance. Oh, on a un chance au début. Ouais. Chance. Ouais. Et moi, chance. Et moi, et t'as un tirage gratuit, tu as forcément un perso fort hyper direct. Et moi j'ai eu Luffy des deux ans après.
Il reste un imposteur. Mais regarde, il a pas le Gear Ford, mais il a le bazooka et tout, le Magnum, Grizzly Magnum, tout ça. Entraînement, je crois, c'est... Ouais, le Bocage Ranger 3. Je vais faire encore des combats de ligue et je te dis quand c'est qu'on fera des combats entre amis. Parce que j'avais débloqué déjà une fois les combats entre amis. J'ai même pas encore recommencé à jouer à One Piece Bounty, tu sais. T'as même pas encore commencé ? On va même pas encore commencer. Vas-y, je vais attendre. Parce que je sais qu'il y a des combats entre amis, regarde, on peut même faire des alliances pirates, ça a l'air bien. Hein. Ah, je sais que c'est bien. Tu m'as fait peur quand même, le téléphone l'a cassé. Tu m'as fait très peur là, à matcher ça. Non, c'était moi. Ouais, parce qu'il était mort. Enfin, tous les deux. Enfin, tous ceux à quoi je suis en train de faire un task, Erwan. C'était lui l'imposteur. Déjà, moi je me crée un serveur. Vous voyez bien, moi je suis un ninja. Écoutez, il y a des imposteurs. On sait très bien c'est qui, si c'est pas l'aide nous deux, c'est bon. Moi je monte en XP, je vous le dis. Je suis en train de monter en XP, je suis en train de monter en Peña. Parce que je fais des Peña pour augmenter mes compétences, tout ça. J'ai augmenté mes compétences. Cette fois-là, on montre pas. On est quoi, Irwan, ok? On se montre pas, on est quoi? Ok. Parce que jusqu'au début, j'avais pas. En fait, depuis le temps que je jouais, j'avais rien augmenté du tout, j'avais rien fait. Okay. J'avais tout stocké. Et c'est pour ma renaissance au niveau de 200. Et j'ai pas augmenté mes compétences ni rien, et c'est pour ça que j'ai galéré un peu. Là, j'ai augmenté mes compétences, ça va un peu mieux. Commence la game. Le 3, 2, 1. Moi, je monte pas, je suis quoi? Innocent. Innocent. Parce que moi, je t'avais vu dans la barre des innocents, Erwan. Ah, t'as le bandeau Naruto Uzumaki. Mon dieu, je traînais avec quelqu'un après il m'a tué. C'est la voiture. Ah yes, quelqu'un a voté pour la bonne personne. J'aime pas les voitures. J'aime pas les voitures. Vas-y, vote pour le pink. Les gens qui sont dans le chat, là, ils ont raison. C'est le pink. Genre là, il arrive, il me fait... Après, il m'a tué. Et voilà, il a rage kit. Qui? Le violet. Enfin, le rose. En même temps, c'est normal que tout le monde l'a vu. Il y avait tout le monde qui était avec moi, genre là, moi je me baladais. J'ai même vu, il était allé sur toi et après toi t'étais mort. Cet Alfa Romeo coupé Burton a été propulsé dans le 21e siècle par une entreprise italienne. Je suis à peine de fantastique. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone et sous le capot. C'est qui Erwan? C'est qui le deuxième bon imposteur? Deuxième, c'est le Orange Cash. J'ai arrivé, il m'a fait ça en fait. On adore. Le futur de BMW sera bien électrique. Bon, de toute façon, là, nous donne, il est mort. iX dévoilé cette semaine dans une version quasi définitive. Il sera lancé fin 2021, mais livre déjà quelques infos. 500 chevaux. Oh, il y a plus de lumière. Et on espère que l'intérieur sera propre. Ok, là, il y en a qui vont mourir. Au petit détail. Dans le même temps, le constructeur a dévoilé un nouveau scooter électrique également proche de la série. Son point fort, c'est son style racé et minimaliste, mais il est aussi plus connecté que jamais. Porsche a dévoilé au grand jour toute une série de concepts développés entre 2005 et 2019. Et rester au stade d'étude. Ils sont tous plus incroyables les uns que les autres,
Mais le must, c'est sans aucun doute cette 919 Street, une version civilisée du prototype victorieux aux 24 heures du Mans. On aurait adoré l'avoir en production, tout comme ce van qui est la vision d'un utilitaire 6 places, selon Porsche. C'est trop facile de faire ça. De son côté, Audi nous fait aussi rêver avec cette très bestiale RS6 GTO qui rend hommage à l'Audi 90 GTO qui a marqué le sport auto aux US. Un concept réalisé par des apprentis de la marque. La nouveauté de la semaine est de taille, voilà, puisqu'il s'agit de la version Spider de la monstrueuse Ferrari SF80. C'est un poster, les gars, c'est un poster, donc on va aller voir le test. T'inquiète, moi je te tue pas, moi je te tue pas. Tu dois te dénoncer ? Non, me dénonce pas. Moi je serais même plein, frère. Il est dit des switch avec Bruce Willis ce soir. Quoi ? Qui est les autres imposteurs alors ? Vas-y, je vais te les montrer, je vais te les montrer. Lui et lui. Vote pas, vote pas. Non, ici. Automoto avec espace bricolage. Je te dis oui. Je te dis non, celui qui mais non, mais et oui, il a quitté. Maintenant, on est que deux imposteurs. C'est comme ça qu'on écrit Black. T'as mal écrit. Hein. Et alors, mon bah, mais pourquoi t'as mal écrit It's Black. J'aurais pas dû te montrer. Alors, après. Le deuxième, je dis pas là. Le deuxième, là, il a quitté déjà. Tu vas voir, je vais te tuer. Il y a un imposteur ? Non, je vais te tuer toi. C'est une balance. Non, il a envie. Dérivé de la berline série 3, cette série 4, deuxième du nom, pointe enfin le double ses naseaux en forme de double haricot. Il veut te dénoncer alors ? Sac à l'ange à dé. Non, me dénonce pas. Ça t'apprendra de faire ta balance. I am un imposteur. Mais vas-y. Ouais, c'est bon, y'a personne, on va sortir. Arrête de me suivre, sinon je te tue. Victoire. J'avais dit que là on n'avait pas le droit de regarder, Juan. J'avais dit qu'on n'avait pas le droit. Pourquoi tu m'as pas écouté? Pour moi, les gars, j'ai été au poster. Williams, dans les années 90, bénéficiait du V10 Renault, bien au-dessus du lot. Puis Ferrari, et ses 6 titres consécutifs. Oh, j'ai tout triché ! Les tricheurs ! Michael Schumacher, Jean-Todd Rosbrand, a fait basculer la F1 dans une nouvelle. Je m'en fous, moi, je suis ça aussi. D'un perfectionnisme sans limite. Plus récemment, Red Bull Renault a aussi écrasé la concurrence de 2010 à 2013. Avec les champions du monde de l'histoire, Sébastien Vettel. Tu vois, je marque G-Hit Hacker. Des moteurs hybrides en 2014, Mercedes est intouchable et personne ne semble en mesure de la renverser. C'est pas justement l'équipe que l'on voit sur le circuit, c'est le support en Allemagne. C'est les 2000 personnes. T'as vu que j'arrête d'écrire ça, bah alors arrête de tricher. Arrête d'écrire quoi ? G-Hit Hacker. Ça veut dire que t'es un hacker. Un travail acharné. Un budget longtemps illimité, les meilleurs ingénieurs à l'usine châssis de Brackley en Angleterre et une organisation quasi militaire. Quand Ferrari semblait avoir le moteur le plus puissant la saison dernière, l'usine moteur de Chris Wurz a redoublé d'efforts pour revenir encore plus fort aujourd'hui.
Cette équipe élève son niveau de travail année après année. Même quand elle connaît le succès, elle ne se repose jamais sur ses acquis et elle se remet toujours en marche pour s'améliorer. C'est pour cela qu'on est premier. Comme ça, personne ne peut voir la sécurité. Cette domination sans partage force l'admiration, mais tu aussi peu à peu le suspense. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils montrent le pur du professionnalisme à 100% et je dirais c'est très très beau. Ce qu'ils font, c'est très très dur pour le sport aussi, parce qu'il y a un skate en plus, ils sont déjà champions. Une incertitude pourrait peut-être à terme menacer le monde. Arrive. Et l'oxygène, est-ce que je bois? Et comme leur star Lewis Hamilton, il n'a pas encore prolongé pour 2021. Les deux, l'Espagne, elle doute. Je ne sais pas encore ce que l'année prochaine me réserve, donc je ne sais pas vraiment si tout ça me concerne. Mais je peux parfaitement comprendre que Toto ait envie de prendre du recul et de passer plus de temps avec sa famille. En attendant, l'aventure se poursuit. Hier, les qualifs du Grand Prix de Turquie ont viré au chaos sous la pluie. De nombreux pilotes à la faute. La Q1 est stoppée en attendant un ciel plus clément. Mais dès la reprise, Romain Grosjean, 18e, sort de la piste. La session est de nouveau interrompue. La Q2 est fatale au fur et à mesure. Pas le droit d'appeler l'émergence après. Mais aussi au Français Pierre Gasly qui s'élancera en 13e position. Les Renault, 5 et 7e, elles, s'en sortent bien. Entre les deux, Lewis Hamilton, 6e, réalise sa plus mauvaise qualif de la saison, à plus de 4 secondes 8 de la pole, venue d'ailleurs, signée par Lance Stroll, la première de la carrière du Canadien de Racing Point, futur Aston Martin, acheté par son père milliardaire. Mais cet après-midi, Hamilton partira devant son coéquipier, avec toutes les chances de rejoindre Michael Schumacher, avec un 7e titre mondial. Personne n'est éjecté. Alors, Jérôme, on va se concentrer sur la version essence, hein, parce que c'est évidemment celle qui sera la plus vendue. 4 critères, donc notés de 1 à 5 étoiles pour une note finale sur 20. Prix, bien sûr, équipement, on commence eh ben, avec le prix. Alors, le prix, il faut qu'on compare cette voiture à ses concurrents qui sont très différents, parce qu'elle est à mi-chemin entre le SUV et la berline. Donc, on va regarder un peu les deux. On va comparer le Peugeot 2008 et à la Golf et à la Ford Focus. Notre version essence 130 chevaux est équipée Shineback, c'est-à-dire 8. Bien équipée, ah, 30 500 euros. C'est déjà une somme. Ah, mais c'est pas donné. C'est déjà une somme. T'as le droit d'appeler l'émergence, si on compare Peugeot 2008, c'est 3 600 euros moins cher qu'un Peugeot 2008. Comment ça se fait ? C'est 3 700 euros moins cher qu'une Ford Focus Active. Et c'est presque 10 000 euros moins cher qu'une Volkswagen Golf. Ouais. Donc, ça vaut 5 étoiles. Et le prix de l'électrique est assez intéressant aussi, hein, on va en parler rapidement. Oui, elle est 7500 euros moins chère que la Volkswagen ID3, qui est sa concurrente directe. Donc oui, elle mérite. Oh ma... La Viagra, de jeunes à l'intérieur, hein, c'est plus moderne, c'est plus sobre. Qui faisait que faire saboter les choses. Tais-toi. Ouais. Dur, il y a des éléments... J'ai même saboté. Tu vois là, le bouton pour appeler les... Le bouton pour réunir tout le monde, ça aussi, je l'avais saboté. Je ne sais pas pour le saboter. J'étais en poster. Pourquoi je l'ai saboté? J'ai même saboté la porte, la porte de la sécurité pour que la personne découvre c'est qu'il est un poster. Mais vous avez tout prévu. Tout prévu à 5 Est-ce qu'il y a des années de retard et d'une lenteur qui est assez hallucinante? Enfin, il y a quelque chose, et toi aussi tu l'as mesuré, quand on ouvre le coffre, il faut y mettre vraiment beaucoup de force et on ne peut pas avoir l'option coffre électrique. Pour moi, ça c'est un vrai défaut, je vais être un peu sévère, je vais mettre que 3 étoiles. Ce qui nous donne une note finale de 16 sur 20. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose pour faire mieux hein, avec cette voiture. Hein. Oui, c'est des petits défauts qui peuvent être agaçants. Voilà, on n'a pas le droit de regarder. Dans un an, la voiture sera avec Mathis. Merci Jérôme. Allez, on va voir. Non, je sais pas ce que tu fais, mais Rome Toshi. La gueule, tu sais, il balit n'importe comment. Il s'agit de Indian, créé en 1901. Tu vas faire quoi? Je vais vous donner des petits remarques.
je te déchaîne. On peut les pieds dans la Tout le monde pense que le premier constructeur de moto américaine est Harley Davidson. Si on raisonne en termes de volume de moto et de longévité dans le temps, c'est exact. Mais dans l'absolu, c'est Indian qui est le premier constructeur de moto à avoir vu le jour aux USA en 1901. C'était 2 ans avant Harley Davidson. Comme tout constructeur américain qui se respecte, l'histoire d'Indian est faite d'engins lourds qui vont vite en les bois, des véhicules lourds qui vont vite sur des anneaux de vitesse et de véhicules lourds qui font ni l'un ni l'autre. Donc quand on regarde ce grand tableau, on a comme une sorte de méga caricature de l'industrie moto américaine. Mais détrompez-vous, Indian c'est bien plus qu'un cliché. C'est une histoire plutôt cool. Et le premier volet de cette histoire, c'est la technologie. En 1897, George Indy crée une société de fabrication de vélos. Passionné de cyclisme et de compétition, il embauche Oscar Edstorm, un ingénieur qui a eu l'idée de mettre des moteurs sur des vélos, ce qui donne des motos. En 1901, apparaît la première usine de la société Indian Motors Cycles. La technologie des motos Indian est une spectaculaire. Pas le droit. Ouais. T'es un poster. Quoi? T'es un poster. Je te dis pas. C'est innocent. Non, on n'a pas le droit de regarder, Juan, sinon c'est de la triche. Mais on n'a pas le droit de regarder, t'es un tricheur. Arrête de tricher, sinon je dis. Blue. GG hit imposteur. Mais comment tu peux m'accuser? Alors parce que tu triches. Alors que moi, j'étais même pas en train de bouger. Vas-y, vote pour skip le vote. Vas-y, mais pourquoi t'as quitté? T'es con. Vas-y, moi je critique pas le jeu. C'est toi qui as voulu quitter, c'est pas moi. C'est ma faute, si tu m'as fait vouloir quitter, vouloir faire ce skip le vote. Alors que quand c'est toi, quand c'est toi qui fais dit, toi on skip jamais le vote.